Nous pouvons voir par ici un spécimus de type travailleuse. Eh, bouffon! Un cheval a pissé ici. Tu vas pouvoir me dire où est-ce que tu habites? Habite! Bite! Bite! Cassez l'assiette! Cassez l'assiette! Tu ressembles trop à ce Pokémon! Le Fennec Pokémon Renard! Ah, non, en fait, tu me ressembles pas du tout. Tu ressembles à un autre, mais je sais plus le nom. Nous sommes actuellement au paradis. Et le mec il fait ses griffes, tu sais! Arrête de faire ça, mon gars, t'es ouf! Pâte au beurre, pâte au beurre, je suis pas un tombeur, mais je fais les pâtes au beurre. Ah oui! C'est l'histoire d'un camion qui fait prout. Ah putain, j'ai passé une très bonne journée, putain! Eh, ça va toi? Vu que je suis québécois, j'aimerais que l'on m'explique ce que veut dire pécho. Est-ce qu'on prendrait pas une petite mâche bio? Je suis plus soupe de petit marron, moi perso. Yeah! Paris lourd! Gogo gadget au make-up! Nickel, allez, je vais au boulot! Ok, attention! Allez! Excusez-moi, quelqu'un du feu, s'il vous plaît? Tiens, du feu! Merci, c'était pour lui. Tiens. Merci, ma chérie. Rentre pas chez toi ce soir. Oh non! Mes lacets sont défaits! Ah! Il fait beau, c'est cool! Ça doit te changer de Paris. C'est clair! En fait, je sais pas parler, c'est lui qui le fait avec sa bouche. Cette pute, elle m'a largué! C'est rien. Le lendemain. C'est bon, t'as oublié cette grosse pute? Ah bah en fait, je me suis remis avec. Nickel. Pourquoi tu me dis jamais que tu m'aimes? Tu me demandes jamais comment s'est passée ma journée? C'est parce que t'es une bouteille d'eau et que tu sais pas parler? Excuse facile! Putain, je lui défonce sa bagnole! Arrête, arrête. T'as vu comment il va parler ou pas? Dans ta gueule, Corentin! Cours, putain! Cours! Norman, concours d'appeler, go! 25 minutes 30 secondes! Norman! Norman! Django, tu connais la blague des deux putes et du sapeur-pompier? Ah, dommage, elle est géniale. Voici ma blague préférée. Ça n'a pas du tout marché. Une asiatique, tu me fais un massage? Ouais, t'inquiète pas, ouais. Hey, mais pas comme ça, comme en Thaïlande, avec un peu de cul, quoi! Hey, cette salle est remplie totalement d'étrangers, donc ces gens ne comprennent pas ce que je dis. La chatte? Une grosse tub. Urètre. Allô? 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 En tout cas, tu vois, Maria, c'est la bonne, quoi. Je suis sûr de moi, tu vois, c'est le genre de meuf qui a pas de dossier derrière elle. C'est une bonne femme, ça se voit. Et sur votre gauche, le château de Versailles. Fantastique. Martin, t'as déjà lu ce livre? Quel livre? Celui-là! Maro, faquin, buteur de pieds, plat ridicule. Pourquoi tu rigoles? Non, rien. Mais bah ferme-la, alors! Salam alaikum à tous les frères et tout, tranquille. Quel frère? De quel frère tu parles? Non, mais attendez, les frères Bogdanov. Quel, voilà! C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Petit dessert? Tartatin! Parle-moi de toi. Bon, c'est un temple, hein. Pour moi, choisis une carte. 7 de pique. Oui. Bonjour, et bah la ceinture? Oh non! Ça me va bien, hein. C'est un beau cul, non? Mais what? Excuse-moi, miss. T'aurais pas un numéro? Laisse-moi, s'il te plaît, j'ai pas le temps. Ok. Mais attends, c'est ta voiture? Hé. Hey. Après l'heure, c'est plus l'heure. J'ai demandé ta main, tu me l'as pas donnée. Grosse erreur. J'aurais pu devenir l'homme qui t'a tout donné. Maintenant tu veux tout recommencer. Tout recommencer. Mais gros, tu fais quoi là? C'est ma voiture.
Ma voiture. Tu veux faire un tour? Moi? Non, pas toi. Toi. Au fait, je suis pas gay. Hein? Je suis pas gay. C'est pas grave. C'est vraiment bien ce que tu fais. Je sais que c'est bien ce que je fais, sinon je le ferais pas. T'as d'autres trucs cons à me dire comme ça là? Hein? Réponds, putain. Réponds. Ouah, Matt, la meuf là-bas, elle est trop bien. Oh, elle est canon, canon, mon gars. Oh putain, quelle belle éclipse, hein! Et tu me dis qu'il faut attendre 80 ans avant de revoir un truc pareil? Oh, c'est beau! Bonjour et bienvenue dans un petit tutoriel pour vous apprendre à toucher un cul. Voilà, j'espère que ça vous a plu, vous pouvez me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Mon nom est MK4B8Z, je viens en paix. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je m'ennuie! Ah ouais, trop bien, et je peux venir? Oui, viens, 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 viens! Wake up! Allo YouTube, ouais, je viens de me rendre compte que j'avais 1,5 million d'abonnés, donc si tu pouvais m'envoyer un deuxième cadre comme ça et 5 petits trucs comme ça, ça serait sympa, merci, ouais. Regarde, même mettre le t-shirt que je me suis acheté, Django Zalini. J'ai acheté une voiture. Oh, mais revenez les gars, ça veut rien dire une blague. Moi quand j'arrive pas à rire, bah je me chatouille tout seul. Attendez, bah. T'en as pas marre de regarder notre cassette de mariage? Ah ouais, c'est qui? Ferme ta gueule! J'ai raccroché! Oh non, mais c'est vrai bon! Ouais! Chaud pour une partie de FIFA? Ouais, non, là, j'ai pas le temps. Tu veux pas repasser? Théma, t'as trop la tête à Ambroise Paré, là. Ta mère, c'est René Coty, Aristide Briand, là. Je trouve que t'es très belle ce soir. J'ai un pouvoir incroyable, je peux voler. Ah bon? Regarde. C'est chiant, hein. Là, tu vois, c'est le pic du Midi. C'est la plus grande montagne d'Europe. Elle fait 800 mètres. Ça, c'est impressionnant. Il est noir. Matt Medra. Je veux pas y aller, ils sont fous. Ça va, Steven? Ça va. Qu'est-ce que tu portes? Une petite jupe maltonienne. Une jupe en PQ, c'est magnifique. J'ai reçu des cupcakes en forme de mignons. Vous êtes vraiment très douce. Henri qui fait des pompes claquées. 5, 6, 7. Wait. Tu m'envoies une photo? Merde. Allez. Et hop. Putain, j'ai soif là. Je me ferai bien une bière. Allez. Voilà, parfait. Et sans bouger mon cul. Alors, j'achète un cahier de dessin chez la papeterie Robert. Je rentre chez moi, qu'est-ce que je vois? Le petit gros sur l'étiquette. Allez, bien vous faire enculer. Pète comme un bouchon de liège. Pète comme un bouchon de liège. Oh, ben il a pété. T'as compris, bouchon de liège. Il a pété, donc c'est le seul. C'est un bouchon de liège, c'est un prout. Attends, je te réexplique. Pété, bouchon de liège. On dit, mais t'as compris, le prout, le bouchon. Ma vie est nulle, putain. Le truc qui n'arrive jamais quand tu es avec ta copine. Oh putain, chérie, tu vois la meuf là-bas? Elle est putain de bonne, elle est trop bonne. No, it's crazy because then he came outside, his pants were around his ankles, right? Okay. So then she runs into the street, she's tripping, he's tripping, they're fighting, it's going crazy. Yeah, and then they got hit by a car and they died. Tout à l'heure, j'étais en caisse et je me suis fait contrôler contre l'alcoolémie au volant. La preuve en est de ce petit tube dans lequel il faut souffler quand tu te fais contrôler. J'avais pas bu. Mais pour l'exciter, quand il m'a demandé « Est-ce que vous avez bu ?», j'ai dit oui. Là, il me contrôle. Test négatif. T'as les boules ? Allez, salut ! Je suis en lamboté dans les bouchons. Je fais que claquer des millions. Je suis au bord de la piscine. Au bord de la porte. Mais bébé, arrête de me fumer quand je me brosse les dents là! Arrête de me fumer, c'est chiant! Arrête, putain! C'est relou! Les clés! Gel douche énergisant.
Ah bah ça marche plutôt bien, hein. Oh, fait chier, je dois aller à la banque. Et en plus, j'ai un saltin. Donc, je suis un saltimbanque. Everybody, can you feel the groove?